10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Bonsoir, bonjour, salam, salam alaikum, comment est-ce, comment est-ce, mes amis, et bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'alcool, mais pas d'alcool normal, pas d'alcool qui fait tourner la tête. On va parler d'alcool, le logiciel avec lequel on peut lire les fichiers ISO, avec lequel on peut créer des lecteurs virtuels. Et certains parmi vous l'utilisent pour jouer les jeux, copier, contrefaites. Voilà. Aujourd'hui, de quoi on va parler exactement? Depuis environ une semaine, j'ai mon ordinateur portable qui tourne sous Windows 7. Je ne faisais pas de mise à jour d'habitude, mais la semaine passée, j'ai décidé de faire la mise à jour, le restant de logiciel, ce qui se reste. Bref, après la mise à jour, j'ai remarqué que je n'arrive plus à lire les fichiers ISO, autrement dit images. En fait, sur le poste de travail, je voyais mes lecteurs virtuels, mais je ne veux plus y monter mes disques virtuels, les fichiers ISO. Même en cliquant sur la A, l'alcool, en voyant la fenêtre principale, je ne pouvais pas monter mes images dans les lecteurs virtuels. J'ai voulu réinstaller mon alcool en vain. En fait, chaque fois quand j'ai cliqué désinstaller, ça marquait vous devez redémarrer l'ordinateur pour que la désinstallation puisse prendre la suite. J'ai fait ça au moins 10 fois, 15 fois, ça n'a pas marché. Après, j'ai essayé de réinstaller une autre version par-dessus. En installant, c'était marqué installation de driver SPTD. Chaque fois, ça m'a demandé de redémarrer l'ordinateur. J'en avais marre, ça ne marchait pas. J'ai redémarré mon ordinateur en mode sans échec. J'ai effacé les fichiers de l'alcool directement depuis Program Files. Je redémarrais la bécane, rien, ça ne marche pas. J'ai voulu installer une autre version vierge, supérieure. J'installe, ça demande installation de driver SPTD. Redémarrer l'ordinateur, ça ne marchait pas. J'ai fouillé sur Internet, j'ai cherché parmi les solutions qu'il y en a. Il y a beaucoup de logiciels qu'on vous propose sur Internet, mais attention, ils sont tous contaminés. Soit c'est des virus, soit c'est des chevaux de Troie. Mais en fin de compte, je trouvais un logiciel. Un tout petit logiciel que vous désinstallez. Tous les drivers SPTD. Une fois ils sont désinstallés, vous redémarrez l'ordinateur, il vous demandera et vous commencerez par installer une autre version ou la même version d'alcool. Voilà, ce fichier-là, vous pouvez le télécharger depuis ma chaîne. Elle se trouve en dessous de cette vidéo. Elle n'est pas contaminée, il n'y a pas de virus. Téléchargez-la, utilisez-la. Et j'espère que ça marchera avec vous. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite bonne chance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si le problème persiste après, là, je ne sais pas comment faire. Mais si ça passe, c'est bien. Je suis content de vous. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. À la prochaine volta, ou à la prochaine fois, si cette vidéo vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne, sinon, tant pis. À la prochaine fois et au revoir. Les gars, j'ai oublié une chose. Attention, si jamais ça ne marche pas et vous voulez récupérer vos données sur des images ISO, donc je veux dire virtuelles, vous pouvez les ouvrir à partir de WinRAR. Ça marche. Je vous en assure et rassure. À la prochaine. Salut. Здравствуйте, уважаемые мои зрители! Добро пожаловать на мой канал. Это сейчас видео будет на русском языке.
Это касается видеопрограммы «Алкоголь», «Алколь», это которым мы пользуемся для того, чтобы создавать образы, виртуальные диски, и чтобы можно было играть на линии с копированными дисками. Вообще, у меня мой компьютер работает на Windows 7. Где-то неделю назад я сделал апдейт, то, что там можно было сделать. Я заметил, что мой алкоголь перестал работать. То есть у меня на экране были эти, как его, лектёры, ну, диски эти виртуальные, но я не мог туда закинуть никакой диск виртуальный. Ни CD, ни что. Я пытался убрать, дезинсталлировать алкоголь. Каждый раз он говорил перезагрузить компьютер. Ничего не получалось. Даже в безопасном режиме ничего не получалось. Я даже полностью стёр досье. Каждый раз, когда я хотел установить новую версию, написано было, что идет установка драйверов SPTD, но это все было впустую. Я ковырялся на интернете, я искал программы, которые это могут решить проблему. Есть программы, которые вам предлагаются, но они все зараженные. Там или вирус, или троянский конь. Но в конечном результате я нашел одну программку. Она дается, она стоит, я вам дам ее на скачку под моим видео. Там нету вирусов, она чистая. Вы ее закачаете, нажмите, и она уберет все драйверы SPTD, которые до этого были. Компьютер перезагрузится, и потом устанавливаете снова алкоголь. Надеюсь, это будет работать у вас. Я вам желаю всего хорошего. Если вам понравилось видео и полезный совет я вам дал, помог, можете подписаться. Так, я еще хочу вам сказать одну вещь. Если вдруг какое-то у вас не будет получаться вещь какая-то, то вы можете вытащить с этих файлов ISO то, что там осталось. Для этого используйте WinRAR. Это работает с этими типами файлов, форматов. Все, доброго вечера и пока.